Ou songez histoire ça très bien. Qui dit en pile sous qui est ce bon Dieu yé? Sarah voye Abraham coucher avec servante li Aga, une égyptienne. Aga vin enceinte pour Abraham, Aga pral fait petit. Question jalousie entre deux mesdames yo vin mette pied, Aga baye Sarah mauvais Jean, kounya c'est lui même qui gen belle position, c'est lui qui baye Abraham petit, Sarah pa ka baye Abraham petit. Eh bien Sarah mandé pour Abraham mette Aga de yo. Chose dit chose fait, yo mette Aga de yo. Aga c'est une égyptienne, Sarah c'est la femme officielle souvelée de d'Abraham, c'est madame Abraham. Et Abraham on connait qui est lié, c'est moun bon Dieu relé, c'est à travers lui-même promesse là a pas accompli, promesse d'une de grande nation et promesse de Messie cap vini pour sauver l'humanité. Abraham pas n'importe qui moun. Bon compte ça me remet dans histoire ça, le map lille chers amis bien-aimés. Bon Dieu jete yon regard sou Aga, l'Égyptienne. Parce que nan moment, Aga non situation de faiblesse, Aga non situation d'injustice. Bon Dieu, malgré bon Dieu genyen alliance li avec Abraham, mais bon Dieu pa rejete Aga parce que nan moment, Aga li a vive une situation d'injustice. Il pas voyer le jeter. Pendant Aga dans désert là, bon Dieu al rend Aga visite dans désert là avec Ismaël. Aga mette main en tête li, li pa ka wè comment ti garçon l'an pral mouri, pa gen manger, pa gen d'eau dans désert là, bon Dieu visite elle. Pour qui ça? Parce que bon bagay nan bon Dieu pa tolérer injustice, quel que soit côté injustice l'an sorti. Sous quelle que soit forme li manifesté, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Li toujours prend fait et cause pour moun yap toupizi. Li toujours prend fait et cause, chers amis, pour moun ki pi faible yo. Moun yo voye jeté yo. Moun ki pa gen personne ki pou parler camper pour yo. Bon Dieu reme camper pour moun sa yo, c'est dans son caractère, li pa ka nier ça. Li pa ka fermer les yeux sous ça. Et c'est ça me penser qui un aspect fondamental dans toute guerre autant de moun a parlé, bon Dieu fait en pile la guerre, bon Dieu utilise Israël. Gen yon un aspect dans bon Dieu qui pa jamais changer, li pa jamais violer pour personne, li pa jamais violer caractère de justice li. Des fois guerre yo fait parce que c'est Israël qui n'en position d'opprimer. Si bon Dieu pas camper avec Israël, yo t'a annihilé Israël. Mais la position de Dieu c'est toujours une position pour la justice contre l'oppression, contre la puissance qui opprime. Qui position, qui attitude chrétien doit gagner face à situation de guerre ça? Est-ce qu'un chrétien doit être un activiste, une espèce de va-t-en-guerre? Depuis c'est la guerre, il est prêt pour aller, pour aller touiller au nom de je ne sais quelle cause. Je ne pense pas que ça a capable position chrétien. Un monde qui est toujours prêt pour la guerre. D'ailleurs, la parole de Dieu enseigne clairement, chercher la paix avec tout le monde, autant que ça dépend de nous. Chercher la paix et la sanctification, auteur Hébreux en dit. Je ne pense pas activiste, prêt pour faire la guerre, c'est ça qui est position chrétien. On va penser pacifisme là tout, li rend justice à texte biblique là. Le m'a regardé la parole de Dieu, il y a deux côtés. Bon Dieu camper pour moun y a tout pizi yo. Li pas dit m'son Dieu qui pacifiste, m'va vle la guerre. Donc OK, moun y a tout pizi yo, m'fè mes yeux m'souli. Non, c'est pas position ça. Au contraire, li camper contre l'injustice, li camper pour les opprimés. Le m'gade dans texte biblique, la position sélectiviste, là, t'assemblé, c'est lui-même qui t'a en position, gade qui guerre juste, gade qui guerre injuste. Mais moi-même, avec Koukote Nia, des fois, nous pas qu'à décider qui l'on guerre juste, qui l'on guerre injuste. Parce que nous vivons dans le contexte, nous voulons comprendre. Information qu'a nous recueilli, qu'a vu nous joindre nous, c'est de l'information travaillée. C'est une information d'adou, yo, processed.
process information. Yo pa ba nou ba l'anjan li, des fois nous pa konnen sa k ap pase. Yo di nou on bagay, mais des fois c'est l'autre bagay k ap régler. Ou yo gen doit présenter yon guerre juste, son bagay de noble cause. Mais en réalité, c'est j'aime te di nou au départ, c'est bagay l'argent k ap régler, c'est bagay pouvoir k ap régler. C'est bagay cupidité k ap régler. Et nous gen pile exemple dans l'histoire. Yon chrétien c'est pas un monde qui tête à tête qui pas comprendre ça qui a passé autour de lui. Faut nous comprendre. Donc il est très difficile pour moi même avec au côté ni hein, pour nous connaître qu'il est en guerre juste, qu'il est en guerre injuste, qu'il est en guerre défendre une juste cause, qu'il est le pape défendre une juste cause, c'est l'autre bagarre qui a réglé. Il est très difficile. Mais gros bagarre nous qu'à comprendre. Nous qu'à comprendre situation de force, yon, rapport de force au côté yon. Nous qu'à comprendre ça. Nous qu'à comprendre qui est cap tout pision l'autre. Qui est-ce qui, Jean Anglais t'a dit, underdog, non, situation de guerre? Et le Sahara, nous capables de prendre position plus ou moins pour demander, hey, l'île qu'on y a pour qu'on tombe pour qu'il fait. Parce que la création, les êtres humains qui ont subi la guerre, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons un devoir de compassion. C'est à ça que Dieu nous appelle. Un devoir de compassion pour tout le monde. Pour tout le monde. Que le c'est Sarah, que le c'est Aga, que le n'ayon quand ou bien non l'autre, devoir de compassion nous pour tout le monde. Nous c'est agents de paix. Nous c'est agents de justice. Nous prenons fait et cause pour moun qui pi mal yo, moun yap tout pizi yo. Et cela, chers amis, qu'a coûté nos bagailles. Moi-même, moi fait partie de génération de chrétiens qui refusaient mettre de l'eau dans bouche li devant injustice. Je ne vais pas demander pour tout le monde comme ça, mais moi-même, je refuse de mettre de l'eau dans le bouche devant l'injustice. Je refuse de mettre de l'eau dans le bouche devant mensonge. Camper pour la vérité. Ce n'est pas un choix facile. Mais c'est ça tout. On a parlé de la fin des temps, des choses difficiles. C'est ça, oui, qui est la réalité chrétienne. Nous avons un fardeau à porter pour nous camper pour ça qui est juste. Et des fois, ça a coûté nous cher, bien-aimés. Des fois, ça a coûté nous cher. Voilà, moi, je pense que la question est importante pour nous réfléchir sur yo, à la lumière de la parole de Dieu. Et à partir de samedi, yo, là, que l'Esprit bon Dieu éclaire chaque monde pour comprendre et prendre position. Yo, mais question comme Simdadou là pour nous faire mes yeux nous yo dans position et peut-être essayer la m'a camper yo dans position vraiment pas remain c'est position qui dit c'est prophétie qui pas complot pas faire rien contre ça on comprend dans sens que bagay ça la parole de Dieu t'est annoncé nous loi li Matthieu 24 texte c'est le Seigneur Jésus même qui a bail disciple de enseignement très clair sur la fin des temps. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Guerre de bagarre wap wè ka fò konnen tan ap aproche. Cependant, m pa ka gade sou prophétie yo pou m di li te getan annoncé et donc m'a fè mes yeux. Li tap trop facile. Gen yon situation injustice ou devant ou pa ka di se prophétie de toute façon fò k li accompli m'a fè mes yeux. Non. Injustice là, même Jean Christ te combattre lui. Bon Dieu dans l'Ancien Testament te montre lui combattre lui. Nous-mêmes nous gain appel parce que bon Dieu encore une fois la parole de Dieu relait nous celle et lumière. Justice nous en lui doit clair devant les hommes. Et Dieu merci, gain de monde qui a toujours campé pour la vérité et la justice.